Bienvenue dans Drag Race France. Elles sont 10 drag queens à concourir dans ce programme pour remporter la couronne de grande reine du drag français. Parmi elles, une martiniquaise. Je me présente, je m'appelle Soa de Muse, j'ai 33 ans. Arrêtez à manger pour ma vie. Des origines totalement assumées tout au long de l'émission. Je suis d'origine martiniquaise, mais je viens de Saint-Denis, tu vois, et puis je suis là pour foutre un peu le ghetto, tu vois, ou pas. Je veux pas porter un drapeau et me sentir comme Martin Luther King ou quoi que ce soit, c'est pas ça, je suis pas Aimé Césaire, je suis pas ça, je suis juste Soa de Muse, mais une personne antillaise qui est née en banlieue et aussi qui est queer, donc et ce sont des points que j'assume et que je montre avec fierté, quoi. Drag queen dans l'émission, Soa est surtout une artiste de cabaret. Depuis quelques mois, elle co-gère avec trois autres artistes le cabaret La Bouche dans le 18e à Paris. Être sur scène, une vocation qui est née en Martinique pendant son adolescence. Une période pas toujours facile, qui a forgé son caractère. J'ai la peau dure aujourd'hui et c'est pas pour rien parce que déjà t'arrives en Martinique, t'es une personne queer qui se définit ni comme garçon ni comme fille, donc c'est compliqué peut-être pour la population là-bas, mais c'est là où j'ai eu les... Mais j'ai rencontré des amis géniaux, j'ai eu des moments exceptionnels. Artistiquement, c'est là où je me suis dit que j'allais vraiment faire ça, donc ça va être ça un sort de double tranchant. Pour sa dernière prestation de la saison, Soa de Muse a choisi de reprendre en playback un titre de la chanteuse disparue, Edith Lefel. C'est sa façon à elle de mettre en avant ses origines, comme dans l'émission quand elle s'habille en madras. Je me suis dit que j'allais porter du madras et porter avec fierté ce tissu qui me fascine. Et ça me fait penser aussi aux danseuses de Bel Air. Enfin, c'est le folklore antillais, quoi. Donc, il faut le montrer avec proud. L'artiste poursuit l'aventure Drag Race France. D'épisode en épisode, elle ne cesse d'impressionner le jury. Sera-t-elle la reine des drag queens ? Résultat, le 11 août prochain. Tu es la gagnante de la...